Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs, le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente, l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous, dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous entamons la deuxième semaine de ce mois d'avril. Nous sommes lundi 10 avril 2023. C'est le lundi de Pâques, c'est un jour férié. À quoi sert ce lundi de Pâques? Il sert à se reposer du festin que nous avons peut-être eu hier dimanche. Donc, voilà pourquoi le lundi de Pâques est un jour férié. C'est un jour de récupération. Une bonne fête, évidemment, à toutes et tous.
Nous continuons avec la sagesse des anges et on terminera avec le petit oracle des anges gardiens. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end et que vous continuez sur la lancée puisque c'est un jour férié aujourd'hui. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. J'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer, d'exprimer mes besoins, en un mot, d'être moi. J'ai pigé aujourd'hui le 5 de feu. Alors le feu, la suite de feu, ça représente la créativité, la passion, la carrière, etc. Alors le 5 de feu, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Vous savez, parfois la vie nous réserve des épreuves, n'est-ce pas? À différents niveaux, évidemment. Il peut y avoir un conflit interpersonnel ou une fixation sur une lutte émotionnelle qui est bien spécifique. Et la cause en est peut-être un conflit de volonté avec des personnes ayant des objectifs et des valeurs différents des nôtres. Eh bien, pour certains d'entre vous, le succès est encore possible en ce moment, n'est-ce pas? Mais il demandera beaucoup d'efforts. Peut-être appréciez-vous ce genre de défi ou peut-être vous épuise-t-il d'avance. Et les difficultés que vous pouvez sembler, sembler venir de l'extérieur, eh bien, n'oubliez pas que la loi de l'attraction amène parfois dans nos vies des gens qui ne sont que le reflet de problèmes personnels irrésolus, que ça soit dans cette vie ou dans une autre vie, n'est-ce pas? On vous invite à prendre un moment pour y réfléchir, en vous demandant, eh bien, si le problème est bien d'eux ou si ce ne serait pas plutôt le problème qui vient de vous. Cette carte, elle peut aussi annoncer un défi un peu plus joyeux. Si maintenant vous êtes dans le sport, ça peut être une compétition sportive, ça peut être aussi un concours, ça peut être des rivalités taquines ou une occasion de faire vos preuves face à vos pairs. Alors ça pourrait être aussi, cette carte pourrait représenter un désagrément, un besoin de déléguer des responsabilités. Ça pourrait signifier aussi des détails qui sont terriblement ennuyeux, que vous n'avez pas envie de vivre ces détails qui sont pour vous ennuyeux. Ça peut aussi dire que vous avez des opinions divergentes avec des personnes, n'est-ce pas? Et ça peut aussi vouloir dire des personnes extrêmement ambitieuses. Alors, c'est une carte de sagesse, hein, il convient d'accueillir le message du renouveau pendant que vous examinez ce qui pourrait motiver vos actes en ce moment même. Et l'archange Jérémiel, ce bel archange Jérémiel, peut vous aider à voir ce que le passé et le présent révèlent de votre futur. Je vous invite à demander à ce bel archange de vous aider. Voilà pour la sagesse, le tarot, la sagesse des anges. J'en viens maintenant au petit oracle des anges gardiens. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé amour. Belle circonstance avec ce lundi de Pâques.
Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton petit cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Beau message d'amour, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une excellente journée donc de Pâques, de lundi de Pâques. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est très important. Envoyez de l'amour, même à votre pire ennemi, si vous en avez, envoyez-lui de l'amour. Voilà. Belle journée, on se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous en douceur, n'est-ce pas? C'est important aussi. Et moi, je vous embrasse. À demain.